J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Minecraft Story Mode. Dans le premier épisode, il s'était passé déjà pas mal de choses. On avait une autre petit cochon qui avait été blessé. On était parti à sa rescousse et on est tombé sur une fille plutôt cool qui a l'air de nous apprendre pas mal de choses et qu'on a décidé de suivre, qui nous a également donné une super épée puisque la nôtre avait été cassée quand on s'était fait attaquer pendant la nuit. Donc là, on l'a suivi, sauf qu'il y a l'air d'avoir une énorme bande de creepers et de bestioles sauvages qui viennent nous agresser et il va falloir qu'on se défende toutes les deux. Oh là là, mon dieu, on se fait attaquer. This doesn't look good. Ça sent pas bon. C'est clair, ça sent pas bon du tout. Well, there's bon, only one way il n'y a qu'une seule façon de quitter ce pont. Quoi? On va sauter? Whatever we do, we do on it se bat, together. On saute. All right. Moi, je suis d'accord pour qu'on saute, ok? Oh mon dieu. Oh le truc de fou! Ça explose de tous les côtés! C'est chaud! Wow! Yeah! On est en train de tomber dans l'eau! C'est chaud patate! Oh, c'est quoi ce petit sourire de belle gosse? Genre on a le temps de sourire. Oh le creeper, j'adore! Et on a tous les réalisateurs qui ont fait cette story. En tout cas, elle me plaît déjà énormément et je pense qu'on va bien s'amuser. Oh mon petit cochon. Oh mon dieu, cache-toi les yeux mon chouchou. J'espère que ça va le faire. Les petites chauves-souris. 3. Impact. 2. 1. Ploufi. Oh. Eh ben, ça brûle. Je ne savais pas. Il faut plonger dans l'eau, pas s'aplatir dessus. Reprends-toi et suis-moi. Ok, je te suis, je te suis. Mon petit cochon, il est trop chaud quand il nage. Oh, l'Endercon. Ça a l'air trop classe. Bon, quand on conclura le marché, tu me laisseras parler, d'accord? Ok. Je ne dirai rien. Rien, ni personne. Ok, je te laisse t'en occuper. De toute façon, c'est pas moi. Et si tu vraiment te rends utile, essaie d'avoir l'air intimidant. Hein? Comment ça? J'ai plutôt peur pour toi, là. Jesse! Petra? Petra? Hey! Hey! Vous connaissez tous Petra, ma nouvelle super meilleure amie. On est super proches maintenant. Je l'ai trouvé pendant que je cherchais Ruben. Pauvre Ruben, qu'est-ce qui lui est arrivé à l'œil? On a croisé quelques zombies, ils ont mis des coups à Ruben. Mais il s'est bien battu. Qu'est-ce que tu fais dans les bois, Petra? Rien, j'ai juste été attiré par les cris de Jess. J'aurais fini dans l'estomac des araignées si tu n'étais pas arrivé. J'avoue que ça m'énerve grave qu'ils aient gagné une fois de plus. Enfin, je veux dire, on ne t'aurait pas laissé chercher Ruben toute seule, mais c'est humain d'être un peu déçu, non? Voilà, même beaucoup. On l'aura l'année prochaine. Au les cœurs, les amis. Allez. Je ne sais pas, Jess. Je suis d'accord avec toi. J'en ai un peu marre, là. Vous savez ce qu'on dit? Si on n'arrive pas tout de suite, ce sera pour plus tard. Hey, Jess, il est temps qu'on aille voir Seth. Chose. Oh, oui, la chose. J'arrive. Ah oui. Comme un coup de poing dans le nez. Bon, sinon, Axel et moi, on s'apprêtait à partir de la dernière. On se retrouve là-bas. J'ai entendu dire qu'il y avait du gâteau gratuit près de la cabine. Vite, on est censé se retrouver dans l'allée là-bas. Oh, c'est un peu sombre. C'est sombre. Très, très sombre là-dedans. C'est bizarre, il a pas de l'allée sombre et glauque près des portes, mais il est peut-être pas là, il est peut-être en retard. Maybe he's late. Are you sure this is the dark? Tu es sûr que c'est bien l'allée sombre et glauque dont il parlait? Bon, on change de plan. Tu restes là, au cas où il s'agirait de l'endroit dont il parlait, et je pars explorer les environs. Je rêve, laisse toute seule. D'accord. Je vais essayer de lui faire confiance, mais j'ai pas trop confiance en fait. Merci, Jess. Je reviendrai. Si j'arrive pendant mon ascension, fais-le patienter. Quoi? Et je lui dis quoi, moi? Oh, un coffre. Ah, j'ai envie de dire ma curieuse. Oh, il arrive! Oh mon dieu, il fait peur! And just who are you? Qui êtes-vous à la fin? I'm waiting. Je m'appelle Jess! Jesse, what's it to you?
Qu'est-ce que ça peut te faire? Je sais rencontrer Petra et pas toi. Donne-moi une seule raison de ne pas m'en aller tout de suite. On est ensemble. Je suis avec Petra. Mes affaires la concernent elle. She'll be et pas ses partenaires. Elle sera bientôt là. On peut commencer sans elle. Ah, elle a pas peur quand elle dit ça. Tu as le crâne? You do or you don't. You'd better not be. Pas si vite. Il est en lieu sûr, mais d'abord je dois être sûr que vous avez les diamants. Voilà ce qu'on va lui demander. C'est inacceptable. Ça suffit, j'ai pas dû assez de temps avec toi. Yves. Oh, ce n'est pas trop tôt. Ton partenaire a failli tout faire capoter. Ah, well, that's not good. I left my. J'ai laissé Jess ici parce que j'étais allé chercher. I've got what you asked for. Ce que vous avez demandé. You have what you promised us. You didn't say anything. Il n'était pas question d'autres personnes quand nous sommes vus la première fois. Je n'aime pas les surprises. Si c'est le genre de personne à qui vous vous associez, nous devrions peut-être tout annuler. Notre ami n'a rien à dire, n'est-ce pas, Jess? Il n'y a pas de problème. Faisons cela, moi je le sens pas. C'est bien ce que je pensais. Allons-y alors. Bon, déjà, j'ai pas fait capoter ses plans. Le crâne. Est-ce qu'il a les diamants? I'll take that diamond now. Je vais prendre ce diamant. Take it. You've earned it. Prenez-le, vous l'avez gagné. Oh, dans le coffre! Est-ce qu'il est vraiment dans le coffre? J'ai peur qu'il parte et qu'il n'y ait rien dans le coffre. C'est pas un diamant. No, it's lapis. C'est du lapis. Et il nous a eu. All the dirty, underhanded tricks to pull. Moi, je dirais, il va pas s'en sortir comme ça. On le poursuit. Soit j'obtiens le diamant, soit je récupère mon crâne. Oh, tu lui feras payer, hein. Come on. Allez. J'en étais si sûre. Ça sentait le chachaminou, tout ça. On l'a perdu. Alors il va falloir le retrouver. C'est parti. Ah, on passe notre temps à chercher des gens. Allez, j'ai bien retrouvé mon cochon dans les bois qui était en feu. Je peux retrouver une sorte d'homme barbu chelou. Ok, alors... Discours de Gabriel, ça va être dans ce coin-là. We won't find him just standing around. Non, à mon avis, il va pas aller là où il y a plein de monde. Il faut qu'on cherche un endroit plus discret. There he is. Gabriel. Oh. Gabriel. Oh, on s'est fait bousculer. Step aside, I have just one question. J'ai juste une question. No questions until after the keynote. Ok, ok, ok. De toute façon, on laisse ça. Tiens, on va parler à Lucas. Peut-être qu'il pourrait nous apprendre des choses. Lucas, est-ce que tu saurais des choses? On avait dit qu'on ne devait pas lui parler, mais bon, tant pis. Quitte à ce qu'il soit là. Hé, hey, quoi de neuf? Rien et toi? Nothing. Rien et toi? I just said. Comme je te l'ai dit, rien. I'm sorry you guys didn't win this. Désolé, vous n'avez pas gagné cette année. It might have turned out pretty cool. Votre ami a fait mal à mon cochon. Burned down or whatever. You know that stunt your friend pulled really hurt my pig. Okay. Peut-être, bien, mais ce n'est pas ma faute. Bah, c'est la faute de ton pote. En plus, je trouve qu'il a l'air en pleine forme. Cet œil au beurre noir lui donne l'air dur. Oh, il est méchant! En fait, tu n'aurais pas pu passer un gars bizarre dans le coin avec des cheveux longs et une barbe? Je crois pas, non. Pourquoi? Apparemment, un peu plus tôt, il a réussi à tromper Petra et lui piquer des choses. Wow. Il vaut mieux chercher des poux à Petra. Tout le monde le sait. Dans son propre intérêt. J'ouvrirai l'œil, d'accord? Merci, sympa. Donc, il n'y a pas de malaise alors? Yeah. Non, non, we're cool. Pas de malaise. Cool, cool. Super cool. Méga cool. Coolness. Super cool. Ah, see you later, Lucas. Yeah, see ya. Ouais. Ok, il y a Axel qui est là. On va peut-être lui poser la question aussi, on sait jamais. Oh, la machine à poulet! Vous pouvez pouvoir sortir de ce piège, hein? Eh bien... Tortille-toi autant que tu voudras, tu n'iras nulle part. Axel, tu n'aurais pas vu ce barbu, elle a bizarre? Non, mais Petra m'a rencontré ce qui s'est passé, je le guetterai. Ok, bon, je me suis laissé un peu distraire. C'est juste que cette machine m'énerve tellement. Elle est tellement compliquée et méchante avec les oiseaux pour rien. C'est juste que quand on reçoit un appel comme ça, il faut répondre. Je ne m'aide pas. On peut pas le retrouver seul. Axel, s'il te plaît. Si on ne le trouve pas si hyper rapidement, on le perdra peut-être pour toujours. Je regarderai, sérieux, je me suis juste laissé. D'accord, je vais regarder. Merci, Alex. Il va pas nous aider.
Ok, il préfère jouer avec l'épée. Je le vois, le bizarre. Je le vois pas, moi. Ok, j'ai pas les yeux en face des trous. Tut-tut. Oh, ça fait peur, lui aussi. La team minable, quel renou. Pas maintenant. Bouge. Tu essaies de t'inventer une vie, n'est-ce pas? Tu essaies de trouver des amis. Move. Oh là là, relou. Il y a des gens, on s'en passerait. Hein. Attraper, Ivor. Hey, where do you think you're? What do you think you're doing? Oh, oh, excusez-moi. Get away from me. Laisse-moi tranquille. Pardon, pardon, pardon. Je t'ai confondu avec un barbu en fait. Ah, oh, le cochon. Ruben, où es-tu? Ils vont vouloir le manger. Quoi? Quoi? Mais il est totalement fou, lui. Laisse mon cochon tranquille. Quoi? Mais il est fou. What's the big idea? I'm trying to run a business here. Oh, mon bébé. Mais non, mais c'est mon cochon. Well, I don't know what you're talking about, Chief. I found this pig. J'ai trouvé ce cochon errant tout seul dans les rues. Not the fattest pig I've ever seen. Well, he should cook up real nice. Donnez-le-moi tout de suite. C'est mon ami. Now. You wouldn't be threatened. Vous n'êtes pas en train de me menacer, j'espère. Si. Je sors mon épée et je te tranche la gorge si tu touches à mon cochon. J'ai pas envie de me disputer avec toi. Je pourrais être enclin à genre l'échanger. Quoi? I gotta non, get non, some non, non. kind of return on my investment. Me menacer avec mon épée. Là, tu vas me rendre mon cochon. Tout de suite. Right, d'accord, espèce Fine. De maniaque. D'accord, prenez-le, il est à vous. It's yours. J'y crois pas, quoi. Oh. I'm sorry, Ruben. Excuse-moi, Ruben. Je pensais pas que retrouver cette bizarre. Je n'ai pas vu. Ruben, mon bébé. Ah, il est parti là-bas. Il l'a vu, je crois. Bon, après, il faut qu'il me suive, Ruben, aussi. Il peut pas avoir l'œil tout le temps dessus. Mais je crois qu'il a trouvé le méchant. Ah. Tiens, tiens. Tu te souviens de ce truc que je devais aller faire? Pour faire court, on a rencontré un type. Il a testé de nous attaquer. Petra et moi. Et maintenant, on essaie de le retrouver. Tu peux nous aider? Oui, bien sûr, pas de problème. Any sign of him? Ok, merci. Je pensais l'avoir vu plus tôt, mais c'était une fausse alerte. Wait, oh, there he is. Il est là. Looks like he's heading towards the hall. On dirait qu'il se dirige vers la salle. We're gonna have to get past that usher. On va devoir passer devant ce placeur pour pouvoir le suivre. Allons-y. So. Oh, so. Hey. What would it take to get us inside? Comment il fait pour entrer ce soir? Tickets. Des billets. C'est très important. That was a good one. You should laugh. This might sound crazy, but we're actually on an important mission. Ouais. Il faut absolument qu'il nous laisse passer. J'espère que les billets pour le spectacle sont clairs dans votre mission, sinon. Allez. Il a peur des poulets. Ok, très bien. C'est passé, tout va bien. Tu es super cool. We have to do something. Okay. Like what? The show. Il faut qu'on libère les poulets qui sont dans la machine derrière. Could bust right through. I just need a little wind-up room. Nous devons détourner son attention. Any other bright ideas? Ouais. We need a distraction. On va lâcher 36 poulets sur sa tête. Around, maybe a distraction. Attaque de poulets sauvages. The usher is afraid of chickens. Ah, ça va être cool. What would you say if I told you I Qu'est-ce que tu penserais si je te disais que je veux casser la machine à poulets ce type pour créer la plus grande des invasions de poulets? Tu dois casser cette vitre. Comment vas-tu t'atteindre? Cherchons dans le coin, il y a sûrement quelque chose à faire. Moi je te dis que je vais casser des trucs. I need to reach that window, but il faut que j'atteigne cette fenêtre, mais la barrière me gêne. I don't think I can mess up je pourrais rien faire s'il reste à côté. Hey, what are you hey qu'est-ce que tu fais? Sorry. Oh, pardon. Sorry, just your regular everyday chicken enthusiast here. J'adore les poulets. Attention, je vais appeler la sécurité. Qu'est-ce qu'on va faire? Axel? Yes. Desté? Pour la situation actuelle? Non. Non. C'est ce que je pensais. Purée. Axel, il est gentil, mais c'est compliqué là. Ah, peut-être mon cochon, il va pouvoir l'occuper. Ruben? Est-ce que tu pourrais aller voir le gentil Ruben, monsieur et courir devant lui? Your guidance. Que ferais-tu dans ma situation? Ah, parce que je parle le cochon? Like Groic. Oui, il parle le cochon. I hear you, brother. Je
comprends, mon frère. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, le truc, là. Il faut que j'aille piquer le cube qui rebondit pour aller péter la machine à côte-côte. Je le sens bien, le petit cube. Des mots. Intéressant. Je sais pas, je peux atteindre cette vitre avec un bloc de vase. On va acheter un bloc de vase. Oh, hey! Comment on se retrouve? Mince. Un bloc de vase, s'il vous plaît. We don't give out slime. On n'a pas de bloc de vase ici, juste des boules de vase. We've got a limited supply. Mais today, les stocks sont limités aujourd'hui. Two per customer. You pas plus de deux clients. Tu pourras faire virer un bloc avec 9 boules. Il faut de la vase maintenant. And fast. But I just... Mais je... Tout de suite, no sur le champ. Ugh, si tu veux. Round of slime balls. Une tournée de boules de vase pour tout le monde, s'il vous plaît. Wait, ok. This is only 8 slime. Il nous en faut 9. We need one more to make a block. Il nous en manque okay. We need to find another. Il faut qu'on trouve un autre moyen d'obtenir plus de vases et vite. Ha. Comment on va faire? J'ai que 8 boules, il m'en faut 9. Qui aurait une petite boule de vase à me donner? Est-ce qu'on peut pas lui redemander une petite dernière là? Hé, il m'en faudrait juste une dernière. Elle va me détester, elle. Une dernière chose? Just one more thing, ma'am. One more slime. Une dernière boule de vase, s'il vous plaît. I'm afraid not. Je regrette, la règle c'est la règle. Si je fais une exception, je dois le faire pour tout le monde et au final, je n'aurai plus de boule de vase. Désolée. Sorry. Come sorry. On. Allez, s'il te plaît. Juste une. I've gotta find one more slime. Il me reste plus qu'une boule à trouver. Ok, bon, elle veut pas. En même temps, si on l'avait pas prise pour un homme barbu tout à l'heure. Qui est-ce que je pourrais parler? Ruben, t'as pas une idée? Oh! Lucas! Hey, justement! Tu as une super belle boule de vase! Tu pourrais me rendre un service, s'il te plaît? Tout est possible. Ok, j'ai besoin de boules de vase. Je peux tout expliquer. S'il te plaît! Quoi que vous fassiez, les gars, je suis avec vous. Oh, merci! Heureusement qu'on lui a bien parlé tout à l'heure, lui. C'est la meilleure. J'espère que ce mec est sympa. Ça reste à voir. Allez au boulot. Ok. So you guys been building together long? Ok, c'est parti. You've got good chemistry. Are you jealous? I'm just saying. I think it's cool you have a team that works so well together. On va relâcher les poulets. You're totally jealous. Ça va être de la folie. How's it going, Jesse? You know how to do this. Ok, on a le cube. Ta-da! Ta-da! Bloc de vase. Gross. Okay. I'll take that. Right there. Génial. Ça, c'est la classe. Jesse. À toi de jouer, Jess. Aidez-moi. Merci. Je suis pas du tout discrète. Mais alors, pas du tout. Ok. 1, 2, 3. Wow, 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 ah. Oh. Oh, ma tête. Mes volailles, mes précieuses volailles. Fermez les yeux, sinon il les arrache. Ah. C'est notre chance, allez go. Oh là 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 là. Il s'est fait attaquer par des poulets. Par contre l'autre il a eu le temps de se planquer partout hein, parce que c'était compliqué toutes ces boules de vase. Where'd he go? Où est-ce qu'il est allé? Là. Through that door. Par cette porte. Allons-y, courez! What do we do once we catch? Qu'est-ce qu'on fait? There are a million ways. Il y a un million de façons de jouer le coup. But considering this isn't my fight, I'll follow your lead. I wouldn't mind. On va avoir notre petite vengeance. He deserves it for crossing Petra. C'est ce qu'il mérite. Ready? Prêt? Ready. Ok, c'est parti. Ruben, il est à fond avec nous. Il faut qu'on ait notre diamant. Tu vois quelque chose? He must have gone out another way. Il a dû sortir par l'autre côté. Waouh, ça c'est de la bibliothèque. Looks like it used to be the basement. On dirait que c'était une cave. Drôle d'endroit pour une cachette.
I bet you anything I'll find. Parie que mon crâne est là. And if we find anything else cool to steal. Et si on trouve d'autres choses sympas, voler sur le chemin, on en profite, ok? Axel. Non, Axel. I did say we wanted payback. No better payback than thieving from a thief. Et plus vengeance que de voler un voleur. I don't want to stoop to his level. Non, Axel. Isn't that the best way to get back? On retrouve le crâne et c'est tout. Let's focus on finding the skull, not stealing. On se concentre un peu là. Nobody ever lets me have. Personne me l'a jamais même dit. We let you hang out with us. Allez, plus vite on trouvera ce qu'on cherche, plus vite on pourra se tirer dessus. Ok. Il est forcément caché quelque part. On va regarder les étagères. Mostly stuff about brewing. Surtout des trucs... Alors, pareil, ici, rien d'intéressant. Ok. On va essayer de partir par là-bas. Ici, ça a l'air fermé. Voyons voir si on part sur... Oh, Petra. Qu'est-ce qu'elle fait ? Petra ? Oh, hello. Oh, bonjour. Quoi ? Too heavy. Trop lourde et trop molle. But super flashy. Super tabalaye. Yeah, ouais. Think this guy does much. Je crois que c'est ce qu'il y a. Hey, you still have that et one tu as toujours cette épée en pierre, non? Yeah, I had to wait. Oui, j'ai dû l'utiliser devant les deux de boucher pour sauver leur peine. Tu sais. Impressive. Impressionnant. You're keeping it. Tu la gardes, mais je croyais qu'elle était trop molle et trop lourde. It's still my kind. Ça peut quand même être pratique. And c'est super tabalaye. Super flashy. Ok. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de voler et elle arrive, elle chope une... Bon, Axel, on oublie. Moi, j'arrête de lui parler. À chaque fois, il a rien à me dire. Bon, est-ce qu'elle a trouvé des choses intéressantes? Olivia? Quelque chose? Il est plutôt adroit quand il s'agit d'enchanter. C'est un truc assez avancé. Ok. Lucas? Tu trouves quelque chose? Hey Lucas, you find anything? You want an instruction manual? Tu veux un manuel d'instruction sur l'art de construire? Une entre du vilain monstre avec des objets de la vie quotidienne? Keep looking. We'll continue be out here chercher. On sera vite dehors, j'espère. Ok. Pas une porte ou quelque chose? Ah oui, il y a une potion là. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose? Regardez-moi ça! Wow! Vous n'allez pas le croire, mais j'ai rêvé de ça. Okay, potion. Okay, potion. I know this is a big step. C'est une décision importante pour toi, mais. I would be honored if you'd come home with me. C'est à moi. I thought first. Je l'ai vu en premier. Hey. Hey. What gives? Qu'est-ce qui se passe? There's no way he won't notice his fancy potion. Marquera forcément que sa jolie potion disparaisse. Un bon voleur fait toujours disparaître ses traces. Oh. Oh. Fixed it. Oh yeah. Il y avait une trappe. Perfect crime. Le crime parfait. Nickel. C'est exactement ce qu'on avait besoin. C'est parti pour tirer le levier. Il doit y avoir forcément une entrée secrète. Ouh, la classe. What the hell? Avec un code secret. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Du sable, des âmes. What about that block in the metal? Et ce bloc au milieu? I've never seen one of these before. Je n'avais jamais vu auparavant. I wonder if I just je demande si je peux juste regarder de plus près. Almost pulsing. Maybe it's some kind of machine. If it is, it's not like. Si oui, je n'ai jamais vu de ce type. Don't forget what we're here for. N'oublie pas pourquoi on est là. Trouver le crâne. J'ai envie de toucher la mèche quand même. On ouvre le coffre. Alors, j'ai deux nouvelles. La bonne, j'ai trouvé le crâne. Quoi? J'ai risqué ma vie pour ce crâne et il y en a déjà deux. He was in such a hurry to get it too. There's gotta be something bigger going on. Faut qu'on fiche here. Le camp d'ici. Vaut mieux pas trop traîner. Whatever this guy is doing. Peu importe ce qu'il mijote ce type, je ne veux pas être là à son retour. Shady, we need to figure out what and s'il why. Fait quelque chose d'obscur, il faut qu'on le sache. Plus du three, sable, des âmes et trois crânes de Wither pour la recette That's pour fabriquer for a un Wither. Mais Wither. Un Wither, c'est That's one of the worst monsters l'un des pires there monstres is. Qui existent. We came down here to find the skull. On est venu ici pour trouver un crâne, et bien on l'a trouvé. On aurait peut-être pu le prendre et ficher le camp d'ici tant qu'on peut. Oh mon dieu, il est là! Guys, les amis, filez! Ok. Je me suis caché. Don't you recognize me? Tu ne me reconnais pas? Ou attends, surprise, surprise! Non, ça ne va pas. Tu croyais en avoir fini avec moi, pas vrai? Oui, c'est mieux.
Oh, le petit cochon. Ah, ah. Il a vu la potion. Le moment de stress. Non, non. What was that? Qu'est-ce que ça? Qui est là? Ouh là là. Ah, le stress. Hey, you. Bonjour, Ivor. Que faites-vous ici? What did you see? Qu'avez-vous Leave her alone. Laissez-la. Yeah, back off, pal. Oui, du calme. You two. Vous deux. Did you follow vous m'avez suivi jusqu'ici. You thought you could just screw us over and get away with it. Pensez pouvoir et vous en tirer comme ça, hein? We're here to prove on est là pour montrer what qu'on a raison. Going to do about it? Et qu'est-ce que vous comptez faire? I have what I want and you have exactly what you earned. Now get out before I donnez notre diamant. Non. Nous we avons vu le Weezer. Soul sand and du sable des amis trois crânes de Weezer. Vous fabriquez un Weezer. Smarter than you vous êtes plus futé que vous hey, n'en avez l'air. Nobody talks et personne n'a le droit de parler like à mes amis sur ce ton. Alors fermez-la. Enough. Ça suffit. Vous m'avez déjà fait perdre assez de temps comme ça. Hein? Et le diamant alors? Where'd he go? Où est-il allé? You won't leave of your own volition. I'll happily remove you myself. Non, non, non. On est dans le chachaminou. Montre la porte à nos amis, veux-tu? Ah, vite, on s'en va. Ou on se bat. Non, on se bat pas. Esquive. Aïe, aïe. J'ai eu mal. J'esquive. Courez, tout le monde en train de courir. Non, cours. Ok, prends ton cochon. Ok, on s'en va. C'est bon, bébé va bien. On est sauvés. Oh man, this is so exciting. It sure is. And now, for the first time ever, here et maintenant, pour la toute première fois à l'Enercon, nous sommes extrêmement fiers de vous présenter le seul, l'unique Gabriel. Gabriel, on t'aime. Et voilà pour ce petit épisode. Nous sommes donc arrivés à l'Endercon où nous avons découvert que malheureusement, comme nous l'avait dit notre ami, nous n'avons pas gagné pour cette année. Nous avons encore failli perdre une fois de plus notre cochon. Vraiment, ça va être difficile de le tenir en vie avec tous les risques qu'il prend, ce cochon. Et puis, on a rencontré cet homme vraiment étrange qui veut créer un gros monstre. Pour l'instant, on n'a pas réussi à l'attraper. Mais on est quand même en présence de Gabriel qui est normalement un héros et si on arrive à lui en parler peut-être que lui pourra le stopper. Je sais pas comment va se passer la suite mais en tout cas j'aime beaucoup cette histoire, j'espère que vous aussi. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et un commentaire pour me dire un petit peu qu'est-ce que vous en pensez et comment vous imaginez la suite. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Ciao ciao. I could stay like this, forever following you.